بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي. نستأنف مع الصفحة رقم 130 كما نرى. La page 130. 130. 130. 130. إذن au début de la page, في أول الصفحة. Au début de la page, on a lire et s'exercer. في أول الصفحة عندنا lire et s'exercer. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى النطق ج ثم جي. إذن طبعا كما نلاحظ بأن جي بعد أ تعطي هذا الصوت ج، ثم أن جي عندما تكون متبوعة بإي إذن تعطي الصوت جي. إذن جي بعد أ تقرأ ج، جي مع إي تنطق جي، على عكس جي مع بقية الأحرف. لو أخذنا مثلا كلمة باغ، طبعا كما نلاحظ بأن جي متبوعة بهاد إي لا تنطق باج بل تنطق باغ. مثلا كلمة غون أو بيا غوند، طبعا عندنا جي متبوعة بإغ إذا ستنطق غ. نفس الشيء لو أخذنا مثلا كلمة فاتيغي متعب، إذن عندنا الجي متبوعة بهاد إي، طبعا هاد الجي ستنطق بصوت غ. هاد الحالة الجي ستعطي الصوت غ لأنها غير متبوعة لا ب أ ولا ب إي. إذن كما قلنا هنا ليغ إي سيكزارسي ج ثم جي، تماما كما في مثال كلمة غوج. مثلا كلمة غوج ج مع أ تعطي الصوت ج، إذن نقول غوج. إذن عندنا ج مع أ كما نلاحظ. Le premier paragraphe, comme nous le voyons, on a je réponds aux questions. أنا أجيب للأسئلة كما نقول. أنا أجيب عن الأسئلة. كفي لابغ فاتيغي. كفي لابغ فاتيغي. ماذا تفعل الشجرة المتعبة؟ كفي لابغ فاتيغي. إذن طبعا عندنا جي متبوعة بإي لا تنطق جي بل تنطق جي فاتيغي. كفي لابغ فاتيغي. ماذا تفعل الشجرة المتعبة؟ Nous répondons à cette question bien sûr selon le texte qu'on a déjà vu. طبعا نجيب عن هذا السؤال انطلاقا من النص الذي رأينا. Qu'est-ce qu'on a déjà vu sur le texte؟ ماذا رأينا على النص؟ Reprenons le texte de la page 129. Comme nous le voyons, on a déjà vu le cèdre fatigué se met à pleurer. Le cèdre fatigué se met à pleurer. شجرة الأرز المتعبة سمي أ. عندنا هنا سوميتر أ. سوميتر أ بدأ في. سوميتر أ بدأ في أو أخذ في. لو سيدر فاتيغي شجرة الأرز المتعبة سمي أ بلوغي. بدأت في البكاء. كوفي لاغبغ فاتيغي. لاغبغ فاتيغي سمي أ بلوغي. لاغبغ فاتيغي سمي أ بلوغي. إذن الشجرة المتعبة بدأت في البكاء. طبعا سنكتب لابا فاتيغي سومي أ بلوغي. Pour la deuxième question, comment s'appelle l'oiseau? Comment s'appelle l'oiseau? Bien sûr, on parle ici de l'oiseau qui parle à l'arbre. Comment s'appelle-t-il? إذن ماذا يسمى الطائر الذي كان يتكلم إلى الشجرة؟ Comment s'appelle l'oiseau qui parle à l'arbre? Bien sûr, toujours d'après le texte qu'on a déjà vu sur la page 129, le cèdre fatigué se met à pleurer, un pigeon lui dit. Le cèdre fatigué se met à pleurer, un pigeon lui dit. إذن le cèdre fatigué, إذن يتكلم عن شجرة الأرز متعبة, se met à pleurer, بدأت البكاء, un pigeon lui dit. طائر الحمام لوي دي قال لا. Alors il s'agit d'un pigeon. Il s'agit d'un pigeon. يتعلق الأمر كما نقول بطائر حمام. Alors comment s'appelle l'oiseau? L'oiseau s'appelle le pigeon. L'oiseau s'appelle le pigeon. L'oiseau
est le pigeon. طبعا كما نلاحظ هنا عندنا جي او طبعا بعد او ثم ان اذا كما نلاحظ بان هاد او تعطي لهاد جي صوت ج والا بدون هاد او سننطق هنا بيغون سننطق الكلمه بيغون وهذا ليس هو النطق الذي نريده لكي يكون عندنا النطق بيجون نكتب جي ثم او ثم او ان إذن فتنطق بيجون. Nous prenons le deuxième paragraphe, comme nous le voyons, je vois et j'entends. Nous prenons le deuxième paragraphe, je vois et j'entends. Je vois et j'entends. Je vois et j'entends. عندنا العين, comme nous le voyons, on a un œil et une oreille. On a un œil et une oreille. Je vois, c'est le verbe voir. J'entends, c'est le verbe entendre. Alors, je vois, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois je, après je vois j. Après je vois j. Et en même temps, j'entends je et j'entends j. En même temps, j'entends je et j'entends j. Je vois et j'entends. Je vois, c'est le verbe voir. J'entends, c'est le verbe entendre. J'entends, c'est le verbe entendre. Qu'est-ce que je vois? Je vois je et j. Et en même temps, j'entends je et j. Et en même temps, j'entends je et j. Nous prenons la première image, comme nous le voyons. Qu'est-ce que c'est? Nous prenons la première image. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est une orange. Tout d'abord, est-ce que je vois je ou j? Bien sûr, à la fin du mot, orange, je vois je en rouge. À la fin du mot orange, nous voyons je. À la fin du mot orange, في آخر كلمة orange, nous voyons je. Nous voyons je. Que donne le son je, التي تعطي الصوت je, qui donne le son je. À la fin du mot orange, nous voyons je. Après, est-ce que j'entends je ou bien j? On entend je. Nous passons à la deuxième image. Qu'est-ce que c'est? Pour la deuxième image, qu'est-ce que c'est? Mahdi, c'est une image. C'est une image. Idan Hadi Sora. Tout d'abord, est-ce qu'on voit je ou bien j? Est-ce qu'on voit je ou ji? Bien sûr, nous voyons GE. À la fin du mot image, nous voyons GE. Nous voyons GE. Après, est-ce qu'on entend je ou bien J? Est-ce qu'on entend le son je ou bien J? Bien sûr, avec le mot image, on entend je à la fin des prononciations, fi akhir un autre. Avec le mot image, on entend le son je. À la fin des prononciations. À la fin des prononciations des mots images, on entend le son je. Pour la troisième image, qu'est-ce que c'est? Que représente la troisième image? La troisième image représente une girafe. La troisième image représente une girafe. Et dans sur la talita, tu m'as-t-il zarafa? Tout d'abord, est-ce qu'on voit GE ou bien on voit GI? Avec le mot girafe, est-ce qu'on voit GE ou bien GI? Avec le mot girafe, on voit GI. Pour l'instant, est-ce qu'on entend je ou bien J? Avec la prononciation du mot girafe, on entend le son J. On entend le son J. Avec la prononciation du mot girafe, on entend le son J au début de sa prononciation. Mais à notre kalima girafe, نسمع صوت جي au début de sa prononciation في بداية نطقها. Nous passons à la dernière image comme nous le voyons. Qu'est-ce que c'est? Que représente la dernière image? ماذا تمثل الصورة الأخيرة? Que représente la dernière image? ماذا تمثل الصورة الأخيرة?
La dernière image que nous voyons représente un singe. La dernière image représente un singe. Tout d'abord, est-ce qu'on voit GE ou bien GI? Pour le mot singe, est-ce qu'on voit GE ou bien GI? Pour le mot singe, on voit GE. Après, est-ce qu'on entend je ou bien J? Avec la prononciation des mots singes, est-ce qu'on entend je ou bien J? Avec la prononciation des mots singes, on entend le son je. On entend le son je. Mais à notre kalimat singe, nasma saut je. Mais à notre kalimat singe, nasma saut je. Pour l'instant, nous prenons le troisième paragraphe. Je trouve l'image qui correspond à chaque phrase. Je trouve l'image qui correspond à chaque phrase. Ana ajid sura. Voilà, on a trois images. Comme nous le voyons, on a trois images. Et nous allons trouver pour chaque image la phrase qui lui correspond. Sanajid li kulli sura al-jumla allati tunasibha. Pour chaque image, nous cherchons la phrase qui lui correspond. Min ajli kulli sura سنبحث عن الجملة التي تناسبها. On a la première image, la deuxième image et la troisième image. En parallèle, on a la première phrase, la deuxième phrase et la troisième phrase. Alors, pour la première image, quelle est la phrase qui lui correspond? Est-ce que un pigeon parle à l'arbre? حمامة تتحدث إلى الشجرة. Le cèdre fatigué pleure. شجرة الأرز متعبة تبكي ou bien le cèdre est au milieu des fleurs ou أن شجرة الأرز وسط الزهور. Alors, quelle est la phrase qui correspond à la première image? Parmi ces trois phrases, quelle est la phrase إذا ما هي الجملة من بين هاد الثلاث جمل qui correspond à la première image? ما هي الجملة من بين ثلاثة جمل التي تناسب هذه الصورة? C'est la première phrase. C'est la première phrase. Et d'un yel jumel oula. Un pigeon parle à l'arbre. Et d'un hamama tatahaddat ila shajara. C'est la phrase qui correspond à la première image. Nous prenons la deuxième image. Quelle est la phrase qui lui correspond? Est-ce que c'est le cèdre fatigué pleure? Shajara al-arz mut'aba tabki? Ou bien le cèdre est au milieu des fleurs? Le cèdre est au milieu des fleurs. شجرة الأرز وسط الزهور. السادر est au milieu des fleurs. شجرة الأرز وسط الزهور. Bien sûr, nous allons prendre la troisième phrase. Le cèdre est au milieu des fleurs. Le cèdre est au milieu des fleurs. Voilà, c'est le cèdre. Et voilà, ce sont les fleurs qui l'entourent. Voilà, c'est le cèdre. Et voilà, ce sont les fleurs qui l'entourent. إذن عندنا شجرة الأرز ثم عندنا الزهور التي تحيط به. إذن le cèdre est au milieu des fleurs. شجرة الأرز هي وسط الزهور. هي وسط الزهور. Pour la troisième image, que représente-t-elle? Est-ce qu'elle représente la première phrase, la deuxième phrase ou la troisième phrase? Ou la troisième phrase? Comme nous le voyons, le cèdre pleure. إذن عندنا شجرة الأرز تبكي. Alors, la phrase correspondante, c'est la deuxième. Le cèdre fatigué pleure. إذن شجرة الأرز متعبة تبكي. Voilà, c'est le cèdre qui pleure. La troisième image représente le cèdre qui pleure. الصورة الأخيرة تمثل شجرة الأرز التي تبكي. إذن la dernière image représente le cèdre fatigué pleure. Nous prenons le quatrième paragraphe. Je mets les lettres en ordre pour trouver des mots et je lis. Je mets les lettres en ada al-ahruf. Voilà, on a des lettres. On a des groupes de lettres, comme nous le voyons. عندنا مجموعة أحرف. On a des groupes de lettres. Je mets les lettres en ordre. Bien sûr, les lettres qu'on a ici sont en désordre. إذا الأحرف التي عندنا هنا sont en désordre. أنها غير مرتبة. Comment doit-on les mettre? كيف لنا أن نضعها؟ On doit les mettre en ordre. يجب أن نضعها في ترتيب. Pour trouver des mots.
من أجل إيجاد كلمات إجولي. ثم أنا أقرأ. طبعا c'est le verbe lire. C'est le verbe lire. إذن je mets les lettres en ordre pour trouver des mots إجولي. أنا أضع الأحرف في ترتيب من أجل إيجاد كلمات ثم أنا أقرأ. Nous prenons le premier groupe de lettres. Pour le premier groupe de lettres, طبعا بالنسبة لمجموعة الأحرف الأولى. Pour le premier groupe de lettres, إذن بالنسبة للمجموعة الأولى من الأحرف. بالنسبة لمجموعة الأحرف الأولى on a I, P, G, O, E, N. On doit mettre ces lettres en ordre pour obtenir un mot. Pour obtenir un mot. إذن سنضع الأحرف في ترتيب من أجل الحصول على كلمة. Quel est le bon ordre? ما هو الترتيب الجيد؟ Quel est le bon ordre? ما هو الترتيب الجيد؟ On va mettre ces lettres comme suit. On va tout d'abord commencer par pi. Bien sûr, nous allons mettre pi. Le mot commence par pi. Après, i. Après, on a g. On va mettre e. Puis, on met o. Et enfin, on met N. Et nous obtenons le mot pigeon. Tout on a sur la calimette pigeon. Pour le deuxième groupe de lettres, qu'est-ce qu'on a? On a R, G, E, O, U. Quel est le bon ordre pour obtenir un mot juste? Quel est le bon ordre que peut prendre ces lettres? Qu'on peut donner à ces lettres pour obtenir un mot juste? Et dans le mot tertib le jayid, الذي نعطي لهاد الأحرف لنحصل على كلمة صحيحة. Nous mettons tout d'abord R, après nous mettons OU, après OU, et enfin on va mettre GE. Et enfin nous mettons GE pour obtenir le mot rouge. Pour obtenir le mot rouge, comme nous l'avons déjà vu. Voilà, on a R, OU, GE. Ce sont les mêmes lettres qu'on a ici. On a rouge. On va mettre le mot rouge. Par cet ordre, nous obtenons le mot rouge. Et nous obtenons le mot rouge. Et enfin, on a le dernier groupe de lettres. On a E, N, I, S, G. E, N, I, S, G. Quel est le bon ordre qu'on peut donner à ces lettres pour obtenir un mot juste? Alors, quel est le bon ordre qu'on peut donner à ces lettres pour obtenir un mot juste? Ma هو الترتيب الجيد الذي يمكن أن نعطيه لهاد الأحرف للحصول على كلمة صحيحة. Nous mettons S, après I, après nous mettons N, après nous écrivons N, après nous mettons N, et enfin nous mettons GE. Et enfin nous mettons GE. Quel est le mot que nous allons obtenir? Bien sûr, nous allons obtenir le mot singe. Et nous obtenons le mot singe. Et nous obtenons le mot singe. ثم نحصل على كلمة singe. Nous écrivons singe. Nous écrivons singe. نستأنف الفقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.